Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, ça sera riz à la sauce tomate bien épicée. Lavez bien votre riz, prenez de l'huile d'olive. Vous aurez besoin d'un oignon, du concentré de tomate, cardamome, cannelle, de l'ail, curcuma, cumin et du poivre. Et moi là, je vais utiliser de la purée de tomate. Vous pouvez utiliser de la tomate pelée ou sinon concasser votre tomate. Et de l'eau, prenez bien l'eau qui va avec la mesure de votre riz comme vous faites d'habitude. Je vous laisse donc avec la vidéo pour la recette et on n'oubliera pas de mettre du sel un peu plus tard dans la vidéo. Vous verrez à quel moment je mets le sel. Bon visionnage les amis, à tout à l'heure pour le résultat.
Alors, une fois que le riz a bien absorbé tout l'eau, je vais couvrir avec du papier aluminium. Vous pouvez aussi mettre du papier cuisson pour que le riz puisse cuire avec la vapeur tranquillement et je recouvre. À ce stade, il faut bien laisser le feu doux pour ne pas que le riz pas que le riz brûle. Je perds mes mots. Et voilà les amis, le riz est enfin prêt. Vous pouvez l'accompagner avec la viande de votre choix et même en le mangeant comme ça, ça a beaucoup de goût. N'hésitez pas à reproduire la recette et me dire si ça vous a plu ou pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de partager pour qu'on soit encore plus nombreux. Je vous dis à la prochaine recette et d'ici là, portez-vous bien les amis. Allez, salut !